et les fusées. Alors très souvent, les gens y confondent le feu à main et la fusée. Il faut savoir que le feu à main, comme son nom l'indique, vous le porterez à la main, vous leverez le bras et vous ferez pendant, vous ferez un petit feu de joie pendant une minute. Et la fusée, elle, partira, c'est un projectile. Je précise que c'est un projectile parce que c'est considéré comme arme de 6e catégorie. Parce que vous allez avoir, on va commencer par la fusée, voilà ce que c'est. Il y a ce modèle-là, il y a ces modèles-là, et il y a ces modèles-là. Donc, la fusée parachute. Alors, deux modèles, on ne va pas prendre place tout le monde, on va prendre place tout le monde. Deux modèles. Il y a un modèle où ça, qu'en fait, pour déclencher, vous aurez juste à ouvrir ici et à tirer. D'accord. Ça, c'est le modèle très simple. Problème. Et vous aurez ce modèle-là où il faudra enlever un premier capuchon, enlever un deuxième capuchon. Là, elle est opérationnelle. Alors, bien sûr, ça, c'est juste une démonstration. Normalement, il y a un opercule métallique ici. Là, vous allez avoir la petite gâchette qui va se sortir. Vous allez tirer dessus. Et là, vous avez le système de déclenchement qui va s'ouvrir. Là, le bras, il va se tenir comme ça. Vous allez venir ici comme ça. Hop, ça part. Qu'est-ce qui part? Voilà ce qui part. Ça monte à une altitude d'environ 300 mètres, à peu près, suivant la mêlée et les conditions météo, à une vitesse d'environ 300 km/h. C'est une fusée. Donc à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle la charge de propulsion. La charge de propulsion se consume entre la charge de propulsion et ce qu'on appelle la charge éclairante. Vous allez avoir de la poudre qui va servir à allumer ceci. Et c'est ça en fait, avec ce superbe parachute, notez la technicité du parachute, hein. Bah, les Russes, ils essayent encore de copier le brevet, mais ils n'ont pas encore réussi. Et c'est ça en fait qui va permettre de ralentir la charge éclairante et de bouger comme ça, et de descendre jusqu'à un certain moment. Ce feu-là, il brûle pendant 45 secondes. Au niveau de la luminosité, 45 000, c'est l'équivalent de 45 000 lumières de bougie. Deuxième chose que vous allez trouver, les feux à main. Alors ça, c'est plus dans, vous avez tous, au minimum 3. Que la date de péremption n'est pas passée, que vous contrôlez régulièrement tous les ans, et qui sont, dans le bateau, accessibles à n'importe quel moment. Dans les feux à main, il va en exister plusieurs modèles. Tout ça, c'est la même chose. Le problème qui va se poser, ce sont les systèmes de déclenchement qui sont différents. Vous allez avoir ce modèle-là, système à tirage. Vous allez avoir ce système-là, à tirage. Mais vous avez vu, il faut quand même sortir le fût pour pouvoir le déclencher. Il faut ouvrir le bouchon. Là, il y avait juste à faire ça. Il y a ce système-là. Ce système-là, ah, c'est quoi? On y reviendra. Un autre feu à main, nos amis les Anglais. Ouais, comment est-ce qu'on s'en sert? On verra tout à l'heure. De la main gauche. Celui-là, je sais qu'il est très populaire. Ça, je l'ai, celui-là. Voilà. Le problème qui va se poser, voilà. On est comme ça, on a froid. Comment est-ce qu'on fait? On y reviendra. Encore un autre. Ouais, c'est les mêmes. Impeccable. Hop. Celui-là, impeccable. On fait comme ça. On fait comme ça. Impeccable. Celui-là, merde. Il est en carton. Qu'est-ce qui a brûlé? On verra. Donc voilà. Donc vous voyez, vous avez 8 feux à main. Les 8 feux à main sont différents. La première chose que nous, quand les gens viennent en stage, on leur dit, vous allez voir, vous rentrez à bord de votre bateau, regardez les systèmes de mise à feu de vos
fusée, de vos feux à marque, pardon. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux capuchons, si on met les capuchons, ils sont identiques. Donc dans la panique, les feux à main ne sont pas périmés, ceux-là aussi sont périmés, mais c'est un mauvais exemple. Les trois sont à l'un côté de l'autre, vous les prenez, hop, j'en tire un, ok, impeccable. Celui-là, je sais que il faut que je tire dans l'axe de la goupille pour pouvoir le déclencher. C'est-à-dire que la position pour tirer ce type de feu à main, ça va être la position, ce qu'on appelle la position de l'archer. On se met bras tendus, on vient chercher le système, on tire. Ensuite, on va prendre la poignée, ça c'est la poignée, on va baisser les yeux parce que la luminosité d'un feu à main est d'environ 30 000 candélas. Vous allez voir quand je vais le percuter, même de jour, ça éblouit. Donc je mets comme ça, je baisse les yeux, je lève le bras. Pourquoi? Parce que déjà on va essayer de tirer le feu à main vent dans le dos. Pour éviter de... Déjà on s'accroche, on est comme ça, et on tire comme ça. Pourquoi vent dans le dos? Parce que déjà ça va créer, on va avoir une combustion. On va avoir une combustion, qui dit combustion dit cendre. Qui dit cendre, ça brûle. Si vous êtes vent dans le dos, les cendres vont partir à l'extérieur. Si vous baissez ici, pourquoi cette position-là, c'est ridicule? Non, parce que si vous baissez ici, votre corps, comme vous êtes dos au vent, votre corps va créer un tourbillon d'air. Va venir accélérer la combustion et ça va venir vous brûler la main. Quand quelqu'un se brûle, l'instinct, c'est ça. Ça tombe dans le bateau, alors au niveau température, ça varie entre 650 et 850 degrés. Votre bateau, un bateau plastique qui brûle, on ne va pas essayer de l'éteindre. Dans les ports de plaisance, quand un bateau brûle, il est conseillé de ne pas commencer par éteindre le bateau, mais d'écarter les bateaux qui sont à proximité. Et après, on fait l'extinction. Donc là, ça va tomber, ça va faire un trou, le bateau va couler, il y a assez d'emmerdes comme ça, on ne va peut-être pas continuer. Donc vous vous mettez comme ça, le bras à l'extérieur, vous baissez les yeux. Et ça va durer pendant une minute. Ça va durer pendant une minute. C'est un impératif. C'est un feu, même si, par exemple, vous avez des déferlantes, vous tombez dans l'eau, vous relevez, qui ne s'éteindra pas. D'accord? Tout à l'heure, quand je vais tirer, je vais aller dans l'eau, je vais le mettre dans l'eau, je vais le ressortir, je vais m'amuser comme ça. Et vous verrez, il n'y aura aucun souci. C'est un signal jour-nuit, comme pour le feu. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, quand on va faire le fumigène est un signal uniquement nuit, jour. D'accord? Donc, voilà pour ce système-là. Le système de goupille, il faut se rappeler, la goupille dans l'axe de la goupille, et on tire. Ce que vous pouvez faire éventuellement, si de nuit vous ne savez pas, c'est que vous pouvez faire une petite encoche dans le fût. C'est-à-dire que vous allez glisser, clac, il va venir dans l'encoche, et vous pourrez tirer. Vous serez en face, dans l'axe de tir. Enfin, de tir. Dans l'axe, oui, pour tirer la goupille. Percussion. D'accord? Pour ce modèle-là. C'est le même type. Par contre, si vous tirez dans ce sens-là, vous avez, on va dire, 50% de chance de le déclencher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce système-là est un système à traction. La position, ça va être la main sur la hanche. Vous devez venir ici comme ça. Mouvement circulaire. Vous levez les bras, vous baissez la tête. Si vous faites ça avec l'autre, vous allez couper la garcette et vous n'arriverez plus à le déclencher. Vous avez au minimum 3 feux à main. Pour certains d'entre vous, vous n'avez que 3 feux à main. Si vous les grillez, c'est pas terrible. D'accord? Ensuite, on a ce système-là. Donc ce système-là, par déduction, c'est logique. La main sur la hanche, on vient tirer, pareil. Vous levez les bras 45 degrés, vous baissez la tête. Vous allez avoir nos amis les Anglais avec ce feu-là. Ce feu-là a un avantage certain par rapport aux autres. Pourquoi? On va dire qu'il est réutilisable. Alors vous allez me dire, comment ça réutilisable? On peut l'utiliser plusieurs fois.
Non, c'est surtout au niveau de la mise en œuvre. La mise en œuvre, ça va être, on tire, on tourne. Là, il est en phase opérationnelle. Les navigateurs, quand on les voit à la télé, ils arrivent, clac, ils tapent et ils lèvent. C'est ces feux-là qu'on utilise. Normalement, donc l'utilisation est la suivante. Vous venez bras tendu, vous allez venir ici percuter par en dessous. Tout le monde, normalement, vous avez les bras aussi longs d'un côté que de l'autre. Moi, c'est mon. Hop. Pas toi, Christian. Ça percute. Mais j'ai deux mains gauches. Voilà, ça, c'est nos amis les Anglais qui ont fait ça. C'est bien.